Voilà, bonjour à tous. On va commencer. Il est 11h02. On va laisser un petit peu de temps comme ça aux gens qui étaient un peu en retard pour arriver. Je vous souhaite d'abord la bienvenue à ce dernier webinaire de l'année 2023. Aujourd'hui, on va se concentrer sur une application particulière dans l'environnement S3, donc les Field Maps. Une des applications qui est utilisée pour la collecte de vos données sur le terrain. Alors, au cours de ce webinaire, n'hésitez pas à poser des questions sur le chat. Mes collègues qui sont avec moi aujourd'hui et qui m'ont aidé aussi à préparer ce webinaire sont là pour répondre à vos questions ou en tout cas les noter si on n'a pas très bonne réponse immédiate et y répondre plus tard. Alors, le webinaire d'aujourd'hui durera plus ou moins 45 minutes. On aura plusieurs parties. Dans un premier temps, on va un peu positionner Field Maps par rapport aux autres applications S3 utilisables pour la collecte de données. Et puis, dans un second temps, on aura une petite démo qui a été préparée pour ce webinaire par mes collègues et qui essaiera un peu de mettre un cas en pratique et d'illustrer l'usage de cette application. Alors, rapidement, pour les personnes qui ne connaîtraient pas encore les solutions S3, l'environnement S3, c'est un ensemble de solutions centrées sur la donnée géographique. Il existe différents outils mis à disposition des utilisateurs. La solution plutôt off-online, basée sur le cloud, ça va être un service SaaS, comme on dit. Donc, c'est une interface utilisateur, c'est le navigateur web, et c'est aussi un espace de stockage pour vos données, c'est le cloud. Vous allez y publier dedans des cartes, des données, au travers d'une interface plutôt web. Vous avez également à voir la solution desktop. Vulgairement, on aurait appelé ça dans le passé un peu le programme installé finalement sur votre PC ou un peu le client lourd. C'est ce que vous installez, c'est le logiciel qui va être installé sur votre PC, qui va vous permettre de gérer des cartes, gérer des données, d'en créer des nouvelles, de les publier. C'est ce qu'on appelle vraiment donc le client lourd. Les applications dédiées au support mobile qui vont être téléchargeables au travers de Google Store, d'Apple Store, de Windows Store. Là, vous allez installer des applications à usage cartographique, pardon, excusez-moi, hop, que ce soit pour un usage pour la collecte de données, pour la visualisation de données sur terrain. Les API. C'est le domaine plutôt des programmeurs informatiques qui vont utiliser les API pour interagir avec les géodonnées, les manipuler, communiquer avec elles. Et enfin, dernier point, l'ArcGIS Enterprise, l'équivalent dans une certaine mesure finalement de l'ArcGIS Online. C'est votre socle géographique, mais dédié à votre propre entreprise que vous allez déployer derrière votre propre pare-feu. Dans un cloud ou physiquement dans votre infrastructure ou dans votre réseau. Donc ça, c'est une vue globale un peu de ce qui se passe dans le microcosme S3. Alors, dans le domaine des applications terrain qui nous concernent aujourd'hui, il y en a plusieurs. On va essayer de débroussailler un peu le terrain en essayant de clarifier le rôle et la place d'abord de chacune. Chez S3, il existe trois applications pour la collecte d'informations sur terrain actuel. On a le Field Maps, qui va être présenté plutôt par ce logo bleu d'une carte. Le logo a été choisi bien spécifiquement avec une carte, parce que vous allez voir que c'est une application qui va être cartocentrée. Le Survey 1, 2, 3, le petit logo vert ici. On va y revenir un peu plus tard pour faire de la collecte plutôt ce type formulaire. Et le Quick Capture, le petit logo rouge ici, qui va être une troisième application qui va être un peu plus rapide à mettre en place. Alors, historiquement, d'autres applications existaient. Fin 2020, Field Maps a été lancé pour remplacer un peu les fonctionnalités d'anciennes applications. Avant, il y en avait beaucoup plus sur terrain.
et avec pour but un peu de simplifier les workflows en supprimant des anciennes applications individuelles et qui complexifiait un peu finalement l'environnement. Et ici, il y a une volonté d'unifier tout ça. Donc, Fieldmaps est vraiment venu ici depuis fin 2022, remplacer complètement des applications type ArcGIS Collector, ArcGIS Explorer, qui ont été complètement d'ailleurs décommissionnées maintenant. Et toutes les fonctionnalités de ces applications ont été intégrées dans le Fieldmaps. Alors, je viens de parler des applications dédiées à la collecte terrain. Il y a d'autres applications disponibles dans l'environnement ESRI, à finalité un peu différente. On a le ArcGIS Workforce, ici tout à gauche, qui est traditionnellement utilisé pour créer des listes de tâches à réaliser pour les équipes terrain, suivre la progression du travail depuis le bureau. Alors, ArcGIS Workforce, on le voit encore ici dans la présentation, il va prochainement être complètement intégré dans Fieldmaps. Avec la possibilité dans Fieldmaps de créer des listes de tâches pour des cartes, de configurer des types de tâches, personnaliser des formulaires pour les équipes terrain qui devront remplir. Ce sont quelques éléments qui arrivent et c'est prévu pour début 2024. Donc début 2024, le ArcGIS Workforce va commencer à être migré progressivement dans une pré-version de Fieldmaps qui sera disponible pour les organisations pour pouvoir les tester les nouvelles fonctionnalités des tâches. Et même si ArcGIS Workforce continuera d'être pris en charge, après ça, il ne va plus y avoir d'améliorations futures qui vont être amenées au Workforce. Tout ça va être intégré à l'avenir dans Fieldmaps. Et donc, pour les utilisateurs du Workforce actuellement, à partir de 2024, on les invite progressivement à tester les nouvelles fonctionnalités de Fieldmaps via notamment les programmes d'Early Adopter et de faire du retour chez Esri ou chez nous directement sur les fonctionnalités qui seraient éventuellement encore manquantes ou à améliorer. Alors, autre outil également, autre application aussi dans l'environnement un peu des applications à usage sur terrain, le ArcGIS Navigator, qui offre un système finalement de navigation routière vocale, un peu étape par étape, qui a l'avantage d'être disponible hors connexion, ce qui va le rendre idéal pour des zones éloignées, disposant notamment d'une connectivité Internet limitée. À un moment donné, il était annoncé qu'éventuellement ArcGIS Navigator allait migrer dans Fieldmaps. Ce ne sera pas le cas, ça va rester une application distincte. Par contre, dans Fieldmaps, il y a une fonctionnalité itinéraire maintenant qui a été ajoutée et qui permet de lancer n'importe quelle application de navigation déjà installée sur l'appareil. Donc typiquement c'est un Google Maps, un Waze, etc. Vous pourrez via cette fonctionnalité les lancer directement depuis le Fieldmaps. Ou alors pour les utilisateurs de l'ArcGIS Navigator, il existe toujours et il va continuer à exister dans le futur. Les autres applications, comprendre, collecter, suivi, monitoring, c'est les applications dont je viens de parler. Donc le Fieldmaps, le Surveillance Tool Tree, le Quick Capture. On va revenir un peu plus en détail là-dessus. Tout de suite. Alors, le Fieldmaps, ses fonctionnalités principales, c'est quoi? D'abord, c'est une application tout en un, je viens de le dire, qui migre, qui vient de fusionner certaines fonctionnalités qui étaient présentes dans d'autres applications, qui est utile pour la collecte, la modification de données mobiles, et qui fonctionne en mode connecté ou déconnecté. Elle permet la localisation également en temps réel. Sur terrain et elle est cartocentrée. Le Survey 1, 2, 3, lui, sa fonctionnalité principale, c'est plutôt l'usage, la collecte de données via des formulaires intelligents. On va pouvoir dedans vraiment introduire une certaine logique dans les formulaires, avec des questions qui s'enchaînent, qui va faire la force finalement du Survey 1, 2, 3.
Derrière ça aussi, il y a la possibilité d'avoir une certaine automatisation en termes de reporting. Donc de créer des rapports derrière qui vont être totalement automatiques une fois que un formulaire va avoir été rempli et va avoir été envoyé par l'utilisateur terrain. Ces rapports derrière, on a la possibilité de totalement les personnaliser. Donc, si vous voulez créer un rapport ou une application bien dédiée au métier, ben, vous allez pouvoir récupérer les champs remplis dans ces formulaires et en créer des bons templates. Sur base, beaux templates au format doc, format PDF, vous allez pouvoir les publier et automatiser la gestion de ces rapports derrière. Le Quick Capture, lui, c'est la solution la plus rapide pour la collecte d'observations sur la Terre. C'est ce que nous, on appelle un peu dans notre jargon l'application Gros Bouton, qui va vous permettre d'enregistrer des informations sur le terrain via un formulaire qui va être très simple, qui va pas nécessiter que vous passiez du temps à former vos utilisateurs derrière. Et au travers de quelques boutons, vraiment, bah, vous allez pouvoir enregistrer 3, 4, 5, quelques informations simples, simplement sur terrain. Cette application permet également d'enregistrer ben, la position sur terrain et permet éventuellement de capturer des photos. Et elles peuvent être transmises en temps réel à votre bureau ben, pour analyse derrière des données, etc. Elle fonctionne également en mode déconnecté, comme les autres. Et donc, c'est-à-dire que vous capturez vos données, vous êtes en mode déconnecté. À partir du moment où vous vous reconnectez, toutes les données vont être rapatriées. Mettre votre organisation et les données vont être disponibles derrière pour analyse. Alors, toutes ces applications sont disponibles dans les stores Microsoft, dans les stores Apple et dans les stores Google. Pour les trois applications de collecte de données terrain sont toutes les trois disponibles dans les trois plateformes. Si on résume un peu ce qui vient d'être dit, on a le Field Maps ici au milieu, qui est vraiment l'application de visualisation, de collecte, d'édition de données vraiment cartocentrée autour d'une carte. On a le Survey 123 qui va être plutôt centré sur les formulaires. Le Quick Capture, l'application peut-être la plus simple à utiliser, à prendre en main, qui va vous permettre de capturer votre position et de rapidement enregistrer quelques données. On a les dashboards, on va y revoir un peu plus près dans un peu après dans dans la démonstration qui vous permettent de finalement synthétiser l'information. Ce sont des tableaux de bord qui vont vous permettre après de faire d'avoir une analyse de vos données qui ont été collectées sur le terrain. Et puis j'en ai parlé, on a le ArcGIS Navigator et le ArcGIS Workforce, deux applications aussi à usage terrain, mais une pour la navigation, l'autre plutôt pour la planification de des tâches. Alors, si on se concentre un peu sur le ArcGIS Field Maps a essentiellement deux composants. D'une part, le Field Maps Designer, à destination des gestionnaires, des SIG, des créateurs de cartes et d'applications. C'est la solution qui va vous permettre de designer votre solution Field Maps, de la paramétrer. Deuxième module, l'application terrain, vraiment disponible, la partie applicative terrain, disponible au travers des stores, qui va permettre aux utilisateurs terrain d'utiliser l'application créée au préalable dans le Field Maps Designer. Alors, le Field Maps, ça intègre plusieurs fonctionnalités. La fonctionnalité d'abord d'emporter vos cartes partout. C'est ce qui était anciennement présent dans l'ArcGIS Explorer. Donc, à tout moment, avec vous, vous avez votre carte sur votre device mobile, sur votre tablette, sur votre téléphone. Ça vous permet de collecter des données, d'éditer des données, de mettre à jour des données. En activant les fonctionnalités de tracking, vous allez permettre également de renvoyer, d'enregistrer
vos déplacements sur terrain, votre position sur terrain, et de renvoyer ça vers le système central de gestion des données mobiles. Derrière ça, le workforce, les fonctionnalités du workforce sont en cours de migration dans le field maps, je l'ai dit un peu au préalable, et la possibilité partielle de faire de la navigation, je l'ai dit tout à l'heure, donc la possibilité de, via cette fonctionnalité maintenant qui est présente dans le Field Maps, de faire appel à une application présente et déjà installée sur votre téléphone, comme Waze, comme Google Maps par exemple, qui va vous permettre de refaire de la navigation éventuellement sans aller dans le registre Navigator. Alors, si on vient sur le Field Maps Designer, donc le Field Maps Designer, c'est vraiment la solution pour votre responsable SIG qui va créer des cartes et les publier, de paramétrer sa carte, de paramétrer les champs, les attributs, de paramétrer les formulaires pour qu'ils soient remplis sur terrain par les personnes sur terrain. Il y a derrière possibilité de créer de la mise en forme conditionnelle, pouvoir possibilité de recréer des expressions calculées, donc à partir d'une valeur qui est rentrée dans un champ par une personne sur terrain, d'ajouter un peu de logique, de complexité derrière et de recalculer des informations. C'est également là-dedans que vous allez gérer tous les paramètres de votre application, de gérer l'usage, la possibilité de travailler en mode déconnecté avec votre carte, de définir par exemple avec quelle précision vos données doivent être enregistrées dans votre application, d'intégrer ça dans un workflow, d'autoriser l'édition multiple, de gérer les fonds de plan de vos cartes, etc. Alors l'application mobile, elle, c'est l'application terrain. Une grosse force de l'application terrain, c'est que on va pouvoir la coupler à un usage GPS haute précision. Donc, il y a la possibilité dans Field Maps de se connecter à maintenant des antennes haute précision de type Leica, Topcon, Trimble, etc. Et plutôt que d'utiliser le GPS de votre téléphone, de votre tablette, d'utiliser ce GPS haute précision. C'est une grosse force et ça va permettre finalement à des métiers comme des métiers de géomètre, par exemple, qui font de la collecte de terrain, des fois qui mesurent encore, des fois avec une certaine opacité de savoir où ils sont sur leur carte, etc. Ici, on va donner la possibilité finalement à quelqu'un comme un géomètre de terrain ou un travailleur de terrain de mesurer, de directement regarder sur son fond de plan, de directement regarder dans son SIG, dans ses cartes, où il est, ce qu'il est en train d'éditer, et d'aller immédiatement se snapper finalement à des objets existants dans votre SIG. C'est vraiment un truc, c'est vraiment une fonctionnalité, moi, sur laquelle je vois beaucoup, dans laquelle je vois beaucoup d'avenir parce que vraiment vous mesurez dans votre SIG, dans votre cartographie existante. Alors, je viens d'en parler, l'usage du GPS interne, donc l'usage du GPS interne, la connexion du GPS haute précision. Alors, autre fonctionnalité importante du Field Map, c'est la possibilité de l'utiliser en mode déconnecté. Vous pouvez éditer maintenant vos données, vous les synchroniser plus tard. À partir du moment où vous serez connecté, vous envoyez vos éditions. Vous avez la possibilité de gérer vos données, la disponibilité finalement de vos cartes online de différentes façons. Alors, soit dans ArcGIS Pro, dans le client lourd, vous avez la possibilité de créer ce qu'on appelle des Mobile Map Packages, qui sont des packages qui vont être directement envoyés vers votre device mobile, votre tablette, votre téléphone. Et dans ces packages, on va y retrouver vos données, vos cartes, toutes vos données de vos SIG, vos fonds de plan qui sont disponibles, qui vont être téléchargés quand l'utilisateur sera toujours connecté et sur lesquels après l'utilisateur va pouvoir accéder en mode déconnecté.
Il y a la possibilité également dans le Field Maps Designer, donc cette application ou usage ou gestionnaire SIG, de générer des zones offline, de générer sur vos cartes, de mémoire c'est limité à 16 zones, 16 zones qui vont être mises à disposition des utilisateurs terrain, qui vont pouvoir récupérer quand ils sont connectés et ensuite sur lesquelles ils vont pouvoir commencer à éditer vos données. Il y a également la possibilité pour les mobile workers de se créer eux-mêmes des offline packages. Donc, ils sont sur terrain, ils sont dans une zone dans laquelle ils ont des difficultés à avoir du réseau, de la 4G, de la 5G. Toujours la possibilité de se mettre dans une zone où ils ont du réseau, de créer eux-mêmes leur package offline, mode déconnecté, de le télécharger et ensuite de continuer leur travail. Donc ça, c'est un gros avantage dans le cas où l'utilisateur est sur terrain, son gestionnaire de SIG est pas là, peut pas lui créer un package rapidement, il garde son autonomie en pouvant travailler lui-même en mode déconnecté et en définissant ses zones sur lesquelles il va travailler. Dernier point aussi assez intéressant, la possibilité d'héberger vos fonds de plan sur votre device mobile, sur votre support mobile. Intéressant, si vous utilisez beaucoup de cartes qui utilisent toujours les mêmes fonds de plan, si vos fonds de plan sont pas régulièrement mis à jour, ben, le fait de les stocker une bonne fois pour toutes sur votre device mobile, ben, ça permet après, lorsque vous avez créé vos mobile packages sur le côté, ben, de ne pas impacter vos fonds de plan et d'avoir des mobile packages qui vont être plus légers derrière. Alors, un petit mot au sujet des utilisateurs ESRI, des rôles, c'est des fois un peu nébuleux, le système des licences. Ici, dans le cadre de l'usage d'un Field Maps, on est le niveau de licence, d'usage requis, c'est le niveau mobile worker. Le niveau mobile worker, c'est ce qui permet à un utilisateur d'avoir accès à toutes les applications terrain et de pouvoir créer de tout contenu sur ces applications terrain et éditer du contenu et de le renvoyer vers votre organisation. À côté de ça, vous aurez besoin d'un créateur, voire d'un GIS professionnel qui va, lui, vous créer vos cartes, créer vos applications Field Maps, les publier pour les mobile workers. Pouvoir derrière ça, une fois que les données ont été envoyées par les utilisateurs terrain, exécuter des analyses, exécuter des statistiques, concaténer les données, les publier. Alors, on va passer maintenant à une petite démo en pratique de comment se passent les choses. La première chose que vous devez faire, qui est à réaliser soit dans ArcGIS Online, soit dans ArcGIS Pro, quand vous souhaitez travailler avec Field Maps, c'est d'abord préparer vos données. Préparer vos données, ça veut dire quoi? C'est préparer d'abord vos cartes. Préparer une carte dans l'environnement SRI, c'est concaténer, ajouter toutes vos couches dans une carte, mettre les fonds de plan que vous souhaitez utiliser, ou le fonds de plan que vous souhaitez utiliser dans votre carte, et en créer, l'enregistrer sous forme d'une carte que vous allez ensuite publier sur votre ArcGIS Online ou sur votre ArcGIS Server. Donc ça, c'est la première étape. Étape qui peut être faite donc dans le client lourd ArcGIS Pro ou directement dans ArcGIS Online ou dans ArcGIS Enterprise. Une fois que c'est fait, une fois que cette carte est créée, vous avez votre socle pour créer votre application Field Maps. Ici, on se retrouve dans l'environnement ArcGIS Online. On voit que la carte a été poussée depuis ArcGIS Pro dans ArcGIS Online. Et donc, cette carte ici est disponible avec les différentes couches qu'on a intégrées dans notre carte. On a toujours la possibilité de récupérer ces données, d'exporter ces données. Et on va avoir la possibilité, ben, maintenant d'aller dans le
Argis, le Field Maps Designer, pouvoir exploiter cette carte pour pouvoir en créer une application à usage terrain. Ici, on se trouve dans l'environnement Field Map Designer, donc dans le rôle du gestionnaire SIG qui va créer l'application, qui va la publier. Donc ici, on a ouvert notre webmap, on voit qu'on a les différentes couches de données et au travers du menu de gauche, on va pouvoir gérer les paramètres de mise à disponibilité, par exemple, de disponibilité en mode offline. Ici, de définir les zones sur lesquelles on veut qu'une carte soit créée en mode offline, donc on crée simplement un rectangle sur la zone et on va packager toutes les données qui sont présentes dans cette zone et on va la mettre à disposition en mode offline. On a aussi la possibilité, ben voilà, de définir d'autres settings sur notre application, comme ben, l'usage du GPS, quelle est la précision minimale pour laquelle on veut enregistrer nos données, est-ce qu'on utilise plusieurs personnes à faire de l'édition en même temps. Est-ce qu'on souhaite récupérer la position des utilisateurs sur terrain, par exemple? Est-ce qu'on souhaite autoriser le snapping, la copie d'état attribut, la copie d'objets de géométrie sur terrain, etc., etc. Dernière phase, l'application terrain. Donc ici, on est dans le module terrain. Sur le téléphone d'un utilisateur, ça pourrait également être une tablette. Et donc là, on voit que on se retrouve sur un terrain à commencer à vouloir saisir de la donnée. Donc là, ici, on a un utilisateur terrain qui décide de créer une ligne, créer un polygone, créer des points, peu importe. Mais ici, on décide par exemple de créer une ligne bleue. Et on voit qu'il vient se snapper à notre ligne bleue existante sur notre carte. On a la position de l'utilisateur qui se déplace sur la carte et on voit que ici, par exemple, ben voilà, il décide de cartographier un point. Un point avec un arbre et différents attributs qui vont pouvoir être remplis par l'utilisateur directement sur terrain, comme la date, des champs qui peuvent être définis comme obligatoires, non obligatoires, des tailles de champs, la possibilité de prendre des photos, d'ajouter des commentaires ou d'ajouter même des pièces jointes. Vous pouvez même envisager de prendre une vidéo sur terrain avec votre device mobile. Et puis derrière ça, une fois que votre vidéo est enregistrée, de venir l'attacher à votre objet que vous venez d'enregistrer. Ici, l'utilisateur décide de prendre une photo de l'arbre qui vient de cartographier. Autre application derrière, destinée plutôt aux personnes qui vont être au bureau. La collecte, une fois que les données sont collectées, la possibilité de présenter les données dans des environnements de type tableau de contrôle, tableau de suivi, dashboard. Donc ici, on voit qu'on va réutiliser le même fond de plan qu'on avait utilisé, donc la même webmap a été utilisée, et on est en amont de l'édition. Donc on a un dashboard qui nous permet, qui est interactif, qui nous permet en cliquant sur certains objets, ben, on voit qu'il est responsive, donc on voit qu'on va avoir des statistiques qui vont se mettre à jour, on va pouvoir faire de la sélection d'objets, on va avoir dézoomer sur la carte. La même vision pour un utilisateur terrain, quelques minutes juste après que la personne sur terrain ait fait son édition et ait déjà renvoyé toutes ces données au niveau central, au niveau du SIG central, ben, la possibilité directement d'interagir avec cette carte, on voit les données qui ont été ajoutées par l'utilisateur et directement ces données sont intégrées dans le dashboard. On peut cliquer sur des objets et le dashboard, les statistiques sont responsives par rapport aux mesures qui viennent d'être faites sur terrain. Donc ça veut dire qu'on a finalement un suivi en temps réel à partir du moment où les données sont poussées en temps réel de la cartographie du travail qui est fait sur terrain. Autre petite fonctionnalité dont j'ai parlé rapidement, le tracking. Donc le tracking, c'est la possibilité, lorsque vous activez ça, cette fonctionnalité-là dans votre field map, de suivre les déplacements qui sont faits par les personnes sur terrain,
en temps réel. Avec la possibilité derrière, au travers l'interface de tracking, de pouvoir un peu visualiser, filtrer ce qui a été fait la dernière heure, les dernières 24 heures, 72 heures, de créer des filtres spécifiques dans le temps, les derniers jours, la dernière semaine, ou alors de filtrer ça en fonction du type de déplacement qui a été fait. Il y a la possibilité de classer des déplacements qui sont faits en voiture, des déplacements qui sont faits plutôt à pied, ou lorsque la personne va être immobile ou l'opérateur terrain va être immobile. Alors, ça clôture un peu ça clôture complètement la démo et ça clôture la vision globale du Field Maps. On est parti de la création d'une carte au départ. La publication de cette carte, le Field Maps Designer qui va permettre de designer l'application quand vous êtes encore au bureau, l'utilisateur terrain qui fait de l'édition, et derrière, la dernière étape, les dashboards qui vont vous permettre de suivre les éditions, de voir quasi en temps réel les changements qui sont faits sur vos cartes, et éventuellement la possibilité, si vous l'activez, du tracking après, de faire de l'analyse, de comprendre le travail qui est fait sur terrain. Et que ça puisse vous aider dans votre gestion quotidienne, sur le travail de vos opérateurs terrain. Alors, quelques liens intéressants relatifs à Field Maps. La présentation sera partagée par la suite afin que vous puissiez parcourir à votre guise, les différents liens. C'est des liens vers des vidéos, c'est des liens vers de la ressource typique ESRI. De l'aide pour la gestion des modes déconnectés en mode offline, des liens vers la gestion notamment de tout ce qui est, on a souvent beaucoup de questions par rapport à vos antennes GPS et à la haute précision qu'on peut avoir. Il y a un lien direct également que vous pouvez retrouver là-dessus, lequel pourra aller lire toute la documentation qui est publiée par ESRI là-dessus. Alors, petite vue sur la roadmap, roadmap donc qui est extraite directement de la User Conference de San Diego de 2023, donc l'ESRI, donc qui est en anglais. Le but ici, c'est pas de la parcourir en détail. Il y a encore du travail à court terme, à moyen terme, à long terme, des améliorations, des nouvelles fonctionnalités qui vont arriver dans Field Maps. Je vais en citer juste quelques-unes sur le QOL, donc la Quality of Life des utilisateurs. Des petites fonctionnalités très pratiques qui vont arriver, comme la possibilité pour un utilisateur sur terrain de pouvoir créer une nouvelle carte lui-même, pouvoir créer des nouvelles couches lui-même quand il va être sur le terrain. La possibilité également de supporter ce qu'on appelle, pour ceux qui sont un peu familiers avec ça, toutes les domaines de valeur, les domaines attributaires qui sont déjà disponibles dans des géodatabases, dans ArcGIS-Pro par exemple. À moyen terme, on a vu ça, c'est pour début 2024, ça va arriver, le Task Manager, ArcGIS Task qui va venir, les fonctionnalités de tâches qui vont venir dans le Field Maps, avec la possibilité de gérer des listes de tâches pour vos opérateurs terrain personnalisés, l'ajout de différents types de champs, comme des champs de type signature, la possibilité de faire du multi-choix. Des fonctionnalités de dessin sur terrain également qui vont être avancées, dessiner des parallèles, dessiner des perpendiculaires, etc. Tout ça va arriver à moyen terme. Et à plus long terme, des choses déjà qui ont déjà commencé un peu à apparaître, notamment dans le Survey 123, c'est la possibilité d'utiliser de la réalité augmentée, mais aussi de la reconnaissance d'objets directement. Vous allez prendre des photos sur terrain. La possibilité de combiner ça aussi. Maintenant, on a des téléphones qui intègrent des fonctionnalités de lidar, de laser, donc possibilité de capturer aussi ces données-là, de push, de notification via push, ou la possibilité également d'exploiter et de faire de l'édition directement dans des cartes en 3D. Alors, pour clôturer ce webinaire, avant de passer aux questions, quelques liens utiles
vers des sites, vers des chats, vers des blocs, des plans de formation plus généralistes ESRI. Je vous laisserai les parcourir de votre côté. Le Learnergy prévu essentiellement pour tout ce qui est apprentissage, formation. Vous avez la communauté, vous n'êtes pas hésité à poser des questions, à faire du retour aussi là-dessus. Ça alimente aussi énormément Esri Inc. là-dessus sur les bugs, sur les priorités en termes de développement, sur les demandes d'utilisateurs et vers et enfin un dernier lien vers la documentation généralisée. Avant d'aborder les questions et réponses, à noter déjà dans votre agenda le prochain webinaire. Que vous soyez utilisateur d'ArcGIS Pro, utilisateur Dark Maps, ça devrait vous intéresser. La thématique, ce sera la géodatabase, utilisée pour stocker, interroger et donner et stocker les données géographiques. Alors, il existe trois types de géodatabases, de fichiers, les personal géodatabases, les file géodatabases, les mobile géodatabases. Il est important, c'est super important de noter pour les utilisateurs d'ArcGIS Pro que la personal géodatabase n'est pas prise en charge, elle était dans ArcMap, donc dans le desktop. Donc, étant donné que ArcGIS Desktop ne reçoit plus de mise à jour, ben, il est temps aussi de considérer, pour ceux qui l'utilisent encore, la migration de vos personal geodatabases vers des file geodatabases ou vers des geodatabases mobiles. Et donc, au cours de ce premier webinaire de l'année, ben, on expliquera un peu les différentes geodatabases qui sont disponibles et des possibilités de comment les migrer et un peu les bonnes pratiques pour migrer votre geodatabase d'un format vers l'autre. Prochaine formation à notre agenda, une introduction au concept du SIG et aux outils d'ArcGIS qui sera donnée sur 2 jours. C'est une formation qui est plutôt à destination de personnes qui vont découvrir les SIG. Vous y apprendrez à visualiser, à explorer des entités géographiques, à exécuter des analyses spatiales, à créer des cartes et à les partager avec d'autres. Vous ferez aussi des analyses géographiques simples. Elle est donnée essentiellement sur ArcGIS Online. Et vous pourrez aussi également retrouver, on a d'autres formations qui sont annoncées pour 2024. Vous les retrouverez sur les sites web d'Esri Belux dans le menu des cours. Bah, n'hésitez pas à y jeter un œil. Bon, il y en a qui sont toute l'année et pour tous les niveaux. Voilà, je vais parcourir les questions et réponses.